Je vis moi aussi la fièvre de l'Égypte. L'animation des bandelettes. Qui ne se défont que lorsqu'il se casse la gueule. Hein. C'est-à-dire que le reste du temps, il les tient avec sa bite. Hein. Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue! Bienvenue dans un petit live de découverte d'un jeu au pif! Un jeu qui s'appelle Ataraxy, qu'on m'a donné en convention. Mais Bob, pourquoi il n'y a pas l'écran du jeu? Qu'est-ce qui se passe? Parce que, permettez-moi s'il vous plaît, pendant une seconde, attends, je cherche... La cam! La cam, on me voit poser en... Bonsoir à tous, je ressemble à rien, faut que j'aille me faire couper les cheveux. C'est une catastrophe! Et voilà, je vais vous montrer parce que en convention, brave Jean, on est venu me donner, voilà, la boîte du jeu. Voilà, alors c'est une fausse boîte, mais je trouvais que l'attention était tellement adorable de la part des développeurs du truc que selon moi, ça valait la peine qu'on s'y penche. Et ils ont mis des vrais goodies dedans. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Fais voir. Le poster. Ça m'offre le poster, qualitatif, plastifié. On apprécie. Ça triche, ça m'offre la carte du jeu, ça triche. Screenez pour m'aider quand je serai perdu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte magique? Sa mère, le coin dur en bois d'un truc vient de me percuter une couille. Bon, tout va bien. Ça va, bref, allons-y. Qu'est-ce qu'il m'offre avec? J'ouvre, hein, moi j'ouvre tout. Il balance. Voilà, très bien. Oui, accessoirement pour les autres, j'ai reçu ma nouvelle veste. Je suis plutôt content. Merci Corneline. C'est la classe. Une espèce de petit truc en bois, Ataraxy. Voilà, une petite cartouche NES en bois. Ah, et la boîte de PC CD-ROM, brave Jean, avec à l'intérieur le code Steam, ainsi que, je crois que ça c'est un dessous de verre. Voilà, c'est un dessous de verre. Les designs sont cool, hein. Les designs sont assez kino, hein, je tiens à le dire. La boîte de CD de Egyptian Metal, ça rend plutôt bien. Alors du coup, Ataraxy, qu'est-ce que c'est? On découvre tout de suite. Ce n'est pas une OPSP, hein. on me l'a offert en pleine convention, ce jeu. Du coup, j'y joue parce que c'est du contenu gratuit. Ouah! Et nous y voilà, nous sommes donc dans le jeu Ataraxy, brave Jean. Alors là, vous m'entendez ranger le poster qui a la carte du monde dessus. Alors, je l'avais sur CD, mais qui a un lecteur CD de nos jours? Pas les possesseurs de la PS5, en tout cas, ça c'est certain. Et aujourd'hui... Alors, je suis allé dans les options pour voir les contrôles et essayer de voir un peu comment ça se passe. Et j'ai déjà découvert un bug, manette. Alors, j'ai regardé attaque sur B. Moi, je préfère attaque sur X et boule de feu sur B. J'essaie de le changer. Et le jeu refuse. Voilà. Je m'envoie cordialement me faire foutre. Donc, allons-y. Voulez-vous activer tous les tutoriels? Oui. Je suis mort. Non, ils m'ont tué. Chapti, Taguette, Bec, mes prêtres. Pourquoi cette trahison? Je me sens différent, mon âme est tourmentée. C'est sans doute parce que le jeu vaut seulement 5€ sur Steam, voire 4,50€ avec les 10% de réduc, mais je devrais pas vendre le jeu avant de l'avoir joué. Alors allons-y. Pas vendre la peau du jeu avant de l'avoir tué. Tutoriel, utilise les touches déplacement pour déplacer de gauche à droite. Jusque-là, c'est limpide. Maintenez la direction du bas pour vous accroupir. Jusque-là, limpide. En étant accroupi, le déplacement horizontal est désactivé. Jusque-là, limpide. Je vais arrêter. Pratiquez pour perfectionner votre agilité dans toutes les situations. Jusque-là. Utilisez le double saut pour atteindre les plateformes élevées ou esquiver des projectiles. Très bien. Maintenez la touche de saut avant le double saut pour une meilleure hauteur. Maintenez la touche de saut un peu plus longtemps avant le double saut. Meilleure hauteur. Allez, c'est votre timing pour maîtriser le double saut progressif. Une fois le timing maîtrisé, atteignez les endroits inaccessibles avec aisance. Pour descendre d'une plateforme, utilisez la touche bas en conjonction avec le saut. Combinez le double saut et la descente pour une navigation fluide et précise. Alors, je sais que c'est fait par des Français, grave noir, mais par pitié, les textes du tutoriel, on détermine déjà si un jeu a une âme dans les textes du tutoriel. Quand c'est des textes de tutoriel ChatGPT, c'est dur. C'est dur. Grimpez le long du mur en maintenant la direction vers celui-ci en sautant A de manière répétée. Et en sautant de manière répétée, d'accord. Apprenez à maîtriser le wall jump pour escalader les surfaces verticales.
Pour descendre, laissez-vous doucement tomber en relâchant les sauts près du mur. Intégrez le wall job dans votre répertoire pour des placements agiles et créatifs. Mais ChatGPT, tu arrêtes ! Intégrez le wall job dans votre répertoire pour des déplacements agiles et créatifs. Plus feel good, plus live love love, plus inclusif, plus hashtag. Pratiquez la technique pour devenir un maître de l'escalade murale. Merci. Ok. Qu'est-ce qu'il raconte par laisser appuyer sur A ? Non, en fait, ils ont craqué. C'est vraiment une traduction Google Trad ChatGPT. Laisser appuyer sur A, c'est pour laisser appuyer pour sauter plus haut, bien sûr. Voilà, il y a des doubles sauts, très bien. Alors, on joue un pharaon, ou plutôt une momie, un ex-pharaon, qui s'est fait trahir par ses serviteurs. Oh, j'ai une masse, mon gars. Eh, attends, mais X, c'est l'attaque. Est-ce que ça a changé dans les options ? Mais ça n'a pas reflété mes changements. Quel génie. Utilisez votre attaque X pour éliminer les monstres. Je croyais que c'était B, enfin, je croyais que c'était B l'attaque et la boule de feu. Bon. Chaque ennemi vaincu peut vous permettre de récupérer des points de vie, ok ? Équilibrer l'offensive et la défensive pour maintenir une santé optimale. Et surtout manger 5 fruits et légumes par jour. Pitié. Allons-y. Après je me sens mal, hein. Le mec était tellement content de venir me donner l'espèce de coffret collector incroyable. Ça rend le projet de troisième lancé. Ainsi voici mon tombeau. Je me souviens de cette douleur intense lors des offrandes à créatine. Combien de temps s'est écoulé depuis? Seuls les vivants auront des réponses à mes questions. Ah oui, des offrandes à créatine. Le dieu de Thibaut InShape. Comment ça se passe? Par contre, il y a une succion. Voilà, regarde. What? Incroyable. Rendez-vous! Aïe, aïe, aïe! Oh, des pièges! Oh, j'avais pris plein la gueule. Ça commence, je suis à chier. Ok, c'est bon. C'est bon, ma vie remonte. Ah! D'accord. Donc, le gameplay fun, c'est Getting Over It avec Squeezie. Allons-y. Voilà. Putain, il s'arrête pas une fois qu'il est sur moi. Ok. Pour l'instant, je monte. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais j'essaie de péter toutes les statues que je vois. Je vis moi aussi la fièvre de l'Égypte. L'animation des bandelettes. Qui ne se défont que lorsqu'ils se cassent la gueule. Hein. C'est-à-dire que le reste du temps, il les tient avec sa bite. Hein. Qu'est-ce que... Explorer le monde pour dénicher les 12 bonus uniques, en plus de récompenses de boss secondaires. Ok. Chaque bonus gagné vous accorde un point de compétence personnalisé aux capacités. Accès au sphérier de niveau au point de sauvegarde pour investir en points de compétence. Utiliser et réinitialiser les compétences. Ok. Noter que l'accès au sphérier se fait uniquement sur les points de sauvegarde. Cool. Économiser du temps en sautant un point de sauvegarde à l'autre à volonté. Ok. Seuls les points de sauvegarde que vous avez découverts peuvent être utilisés. Débloquer de nouveaux points. Bref, voilà. Symphony of the Night, allons-y. Ok, donc je peux revenir au départ. Tombeau, croiser des souterrains. Alors, un autre conseil. En haut à droite, vous voyez, tombeau et croiser des souterrains. Il faut un design. Tu peux pas juste mettre du comic sans MS, en fait. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Mais c'est un. Au moins, l'animation est un peu chiadée. Voilà. On s'amuse qu'on peut. Bumper droit, c'est la carte. Tout le reste ne fait rien du tout. Ah. Et là, si j'appuie sur Select. Ok, j'ai pas le sphérié de niveau. Ok, tout s'explique. Voyons voir. Ah, voyons voir. Lorsque vous aurez tout bien évoqué, vous verrez libérer la véritable puissance d'Antef. Ah, Antef, c'est moi. D'accord. Réduit les dégâts reçus. Aïe. Reçu avec un S, les enfants. Allons-y. Augmente les dégâts au corps à corps. Ok, ça c'est bon. Augmente les dégâts de la boule de feu, d'accord. Octroie 2 points de vol de vie par attaque au corps à corps. Ok. Chaque point de maths récolté vous donne 2 points de maths supplémentaires. Ok, je sais pas ce que sont les points de maths. Augmente les PV max de 30 points. Augmente les PV max de 30. Augmente les PV max de 30. 10 points bonus si vous avez les 3. Donc plus 100 si t'as les 3. D'accord. Ok, c'est poli. Ok.
C'est quand ça, mort imminente? Ah oui. Ah d'accord, il y a une fonction slash kill. Ok. D'accord, très bien. Écran-titre, journal, journal. Très bien, pas de journal. Ok. Eh ben, Antef, mon cher Antef, on est dans cette galère ensemble. Hein. M'en fais pas dire. Merde. Emma. Ok. Malheureusement, buter ces créatures ne nous sert copieusement à rien, puisqu'elles ne nous rapportent à environ que pouic et que pouic. Hein. Alors, oui. Allons-y. Ah! Ah! Non, reviens. J'ai besoin de ta vie. Voilà, merci. Voilà, je suis obligé de manger des insectes. Putain, mais quelle vie! Voilà. Et aussi être prudent avec le platforming parce que tu peux tomber très bas très vite. Hein. D'accord, donc là il me faudrait une clé taureau, ce que je n'ai pas. Putain. Dites-moi que j'ai une autre arme à un moment. Parce que pour l'instant le marteau pour te vider le cerveau par le nez, c'est bien mais c'est pas fonctionnel. Hein. Voilà, très bien. C'est un processus. Hein. Bon, par contre ça pourrit ma touche A de ma manette. Hein. Parce que comme il faut laisser appuyer absolument pour faire le saut et qu'il y a le double saut qui est constant, j'ai l'impression de devoir l'enfoncer comme un forcené. La jungle. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oh là là là. J'ai récupéré une boule. Incroyable. Un singe. Le caca! C'est génial! Ils deviennent invisibles! Pourquoi ils deviennent invisibles? Ah putain, dans la lumière! On les voit que dans la canopée! Nice! Quoi ça? Un cacatoès! Ah! Ok. Ça devient chaud, ça devient chaud! Du cacatoès. Ok. Aïe. Putain, ma barre. Ma barre, ça sent le sapin, tout ça. Putain, esquive le singe. De toute façon, il n'y a pas d'XP. Putain, oh là là, il caillasse loin. Ah. Le village de Bahut. Mais attends, je la reconnais cette musique, c'est la musique de Porn Game, ça. On raconte que depuis quelques jours à Enmoutef, le grand prêtre a disparu. Moi, je crois plutôt que c'est enfui loin de cette folie. Mais pourquoi ils sont dans la pyramide? Je suis toujours dans la pyramide, n'est-ce pas? Acceptez-vous, vous con, pour un bonus aléatoire. Rencontrez le mystérieux marchand vert proposant un mini-jeu d'échange de réduction de votre mat. Qu'est-ce que le mat? Faites tourner la roue de fortune et découvrez parmi les 3 gars possibles. Vous pouvez obtenir l'autre minimum du marchand rouge, celui du marchand bleu ou un niveau bonus suivi du marchand vert. Ok. Ajoute une musique spéciale à l'entrée d'une salle contenant un bonus à découvrir pour votre sphérier. Quoi? Le bonus unique au marchand vert restera actif jusqu'à ce que votre personnage soit vaincu. Alors après, ils vont peut-être me dire, là les devs dans le chat, ils vont être là. Bon bah arrête, t'es parti dans la mauvaise direction, tu fais n'importe quoi. Mais dans ce cas-là, mettez un panneau, je sais pas. Symphony of the Night, quand il commence, tu peux aller juste de gauche à droite en fait. Au début. Je suis de ceux qui laissent le destin les guider. Je sens en vous l'envie d'avoir la nette hors du commun. Faites tourner la roue du destin. Acceptez la bénédiction qu'elle choisira. Bon, je veux bien, Cum. Ouais, vas-y, ouais.
Je suis mort. Je sais pas ce que j'ai gagné. Il y a eu un bruit. Qui est cette meuf? La mort de Pharaon nous condamne tous, la terre se meurt. Ah! Le prêtre d'Hathor est une bonne personne. Lorsque Pharaon vivait encore, il venait au village à l'aide de sa magie et faisait fructifier les récoltes. Ok. Cette lumière bleue de Nout me donne toujours un petit coup de mou, pas toi? Alors oui, mais qui êtes-vous? Découvrez le mystérieux marchand bleu, offrant un mini-jeu en échange d'une réduction de votre mat. Cassez les billes regroupées par couleur dans ce jeu proposé par le marchand bleu. Gagnez des protections contre les coups enregistrés dans le mini-jeu jusqu'à un maximum de 3. Soyez conscient que cette protection ne vous sauveront pas de la noyade, des chutes d'eau ou des dégâts sur la durée. Faites preuve de compétence dans le mini-jeu de marchand bleu pour obtenir des avantages cruciaux dans votre aventure. Ouais, vas-y, ouais. Ouais, vas-y, ouais. C'est pas mal. Bam. 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 J'ai gagné 3 protections. C'est complètement arbitraire, mais... Hey, regarde ça, j'ai des ZAD maintenant. Et ça, ça me fait des dégâts ou pas? Ça me fait des dégâts! Pourquoi ça me fait des dégâts? Ah! Je suis une momie, la momie, ça craint le soleil, c'est ça? Ah mais que quand il est rouge, d'accord. Dire qu'à une époque on se demandait à quoi servait l'entretien des barricades. Aujourd'hui on sait. Que se passe-t-il en ville? 6 hommes sont partis et aucun n'est revenu. J'aimerais bien savoir moi aussi. Bonjour mon ami. Est-ce que n'aurait pas besoin d'aide? Ouais, je suis chaud, ouais. Ah d'accord, il n'y en a pas tant que ça des tutoriels en vrai. Ouais. Le fameux marchand rouge tutoriel. Réduction votre mat. Obtenez la meilleure combinaison avec 5 dés en 3 lancers. En chaque lancé, vous pouvez sélectionner les dés à garder. D'accord, ok. Le mec me fait jouer au 4-21 avec 5 dés au Yahtzee. Allons-y. En vrai, une petite suite là. Ce qu'on voit, c'est un 5. D'accord, j'ai tout relancé sauf le... Ok, nickel. Attends. Garde 5, garde 4, garde un 2. Encore un 2. Un 5 et un 1. Super. Je ne sais pas ce que je fais. Je vais être sincère. Là, il y a un 4. On a toutes nos chances. Allez, un 2. Je ne sais pas. Par contre, je remarque que j'ai du temps en haut. Est-ce que c'est mon bonus? La cité de Wasset. Alors, c'est très coloré. Voici la grande cité de Wasset, capitale de mon ancien empire. D'accord. Pourquoi semble-t-elle être sur le pied de guerre? Un mec voit une momie, il panique pas. Hein. Dévorez un PNJ pour une guérison immédiate, mais ça impacte négativement votre mat. Le mat impactera sûrement la suite de votre aventure. Choisissez avec sagesse vos actions. Trouvez le juste équilibre entre sacrifice et préservation de votre mat. Certaines créatures apportent des points de mat lorsqu'elles sont vaincues, encourageant des choix moraux. Chaque action compte, réfléchissez bien à vos choix. Ah, mon mat, c'est en haut. Ah, je suis à 50. Ah, c'est donc ça, le mat. Le mat, ça doit être... Ah, putain, je suis vachement lent sous la lumière bleue. Le mat... Et la lumière rouge me fait des dégâts. Ouais. Le mat, c'est donc ma capacité à être jugé après la mort, c'est ça. C'est mon karma. Oh. Bon, on va redescendre au rez-de-chaussée. Hein. En espérant tomber sur un boss, peut-être, un jour. Alors, sur le chat, exactement comme je l'avais annoncé, Grave Noir Studio. C'est-à-dire que Bob est parti directement dans une direction alors qu'il y avait un PNJ qui aurait indiqué pas mal de choses. Hein. Eh ben ouais. Mais fallait mettre un panneau. Bah oui. J'adore.
Eh bah ouais, je l'ai annoncé, hein. C'était public. Voilà, et voilà, il est là le PNJ. Tout n'est pas... Enfin, le game design, c'est un vrai métier, hein. Brave Jean, aussi à chier que puisse être Arjen Hansson, c'était Ego Raptor, sa série ici, Qualities, qui parle de Megaman X, et qui explique pourquoi le level design de Megaman X, c'est du génie. C'est un coup à prendre, hein. C'est un coup à prendre. Antef, mon dernier pharaon, te voici de retour parmi les vivants. Ta fidélité envers moi aura été ton fardeau durant ta vie et le sera durant ta mort. Oh, Créatine, dieu des dieux, créateur des créateurs, pourquoi m'affliger un tel châtiment? N'ai-je pas prié Osiris? N'ai-je pas glorifié la puissance de Ra? N'est-ce pas honoré Hathor? Rien de tout cela, Antef. Tout ceci est la cause d'Apis, afin que je ne puisse pas plus aider ce monde. J'étais le protecteur de la vie, je ne saurais rejoindre la corruption. Alors, je t'aiderai à rétablir l'ordre de ce monde, mais avant, je te souhaite de te mettre en garde sur ta nouvelle condition. Maintenant, tu es un mort-vivant. L'eau te fera fondre comme de l'acide, et les lumières t'accableront. Celles-ci, selon leur couleur, altéreront ton corps et ta vision. D'un éclat bleu, tu seras gelé, engourdi, je l'avais compris. D'un éclat jaune, tu seras esselé, ébloui, je l'avais compris. D'un éclat rouge, tu seras brûlé et meurtri. Sache qu'une partie de mon pouvoir dort ici-bas. Retrouve-en les morceaux et parfais ta condition. Tu seras en mesure d'y parvenir auprès des sanctuaires. Garde en mémoire, la corruption se nourrit de tes mauvaises actions. Seul un être pur pourra vaincre Apis. Si tu désires me parler, je serai ici. Je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour moi, grand dieu créateur. J'arrêterai la corruption de ce monde. Ok. Grand plan, hein. D'accord. Et du coup, j'ai baisé un peu de mon karma, je vois. Ah, oh, les pièges. Ah. Ils étaient au sol, je n'étais pas attentif. Tayo. Bon, pas le choix. Vous pouvez pas regarder avant. Voilà. Quand tu commences au fond d'un trou, la première chose que tu fais, c'est monter, absolument. Le PNJ te dit d'aller à gauche et toi, tu vas à droite. Bah oui, Drogi. C'est pour ça que c'est important de mettre des portes et des barrières dans les jeux, en fait. Ne serait-ce que pour les 10 premières minutes. C'est incroyable. C'est comme si les tutoriels organiques étaient une excellente idée. Bon, pour l'instant, je bute des miel pops, hein. Tant pis. Ah, quoi. Alors, viens là. Bon, d'accord, je me suis fait toucher deux fois. J'ai tout perdu. C'est vrai que je prenais pas de dégâts. C'est vrai que j'avais gagné la protection en sacrifiant mon mat. Mais j'ignore si j'ai sacrifié du mat ou si je l'ai ramené à 50, en fait. J'avais pas fait gaffe à mon chiffre. Au moins, il y a un arc au-dessus de moi, Dieu merci. Oh putain. Cette hitbox sur les insectes qui est assez démoniaque, hein. Au moins, il rentre beaucoup de vie. Ah merde. Mais c'est quoi ces... Bon, tout va bien. Tout va bien. Alors là, il y a un serpent. Bon, je me suis fait baiser, c'est pas grave. C'est que tu peux aller à droite comme à gauche, ça dépend du skill du joueur. Pour l'instant, tout se passe bien. J'ai beaucoup plus de mal avec les petites Beatles au sol. En fait, comme tu peux pas te déplacer alors que t'es baissé, mais que t'es obligé de t'accroupir pour tuer les ennemis, la fluidité est max, hein, soyons sincères. On adore. Ici, à la rédac, on adore. La salle devient colorée quand tu l'as explorée entièrement. Je remarque, c'est une petite touche, ça par contre c'est bien. Ça je valide. Ouh, putain. Ah, merde, tant pis. Bon écoute, fais chier. Voilà. Ça reste encore le moyen locomoteur le plus efficace.
Voilà. Tout se passe bien. J'irais même jusqu'à dire que c'est un processus. Pour l'instant, les scarabées sont sages. J'ai pas gagné de maths. Aïe. Alors. Ok. Ça c'est bon, c'est esquivé. Ça c'est fait. Là. Alors, encore une porte avec un boss derrière, sauf que j'ai pas la clé. Encore une porte avec un boss derrière, j'ai pas la clé. Il va falloir à découvrir les zones là, parce que ça va pas être possible. Ah merde! Tu regagnes du temps à chaque kill, je ne sais pas. Merde, ah putain. Le problème en fait c'est qu'il n'y a pas d'accroche. C'est-à-dire si j'appuie sur droite, il abandonne directement le mur. Voilà, c'est bon. La mer de Dune! Mais! Où suis-je? Alors il y a une ville, alors il y a un tombeau. Bon. Alors oui, il fait froid. J'adore le fait d'être ralenti dans les villes. Ça c'est vraiment... c'est ma partie préférée ça. Dans Dragon's Dogma c'est ma partie préférée, vous savez, quand l'endurance baisse même quand t'es en ville, tu sais. Ah attends, ils le font pas? Wait. Les sables du désert sont plus chauds que jamais, hein. Maléfice, c'est sans doute à l'œuvre. C'est comme perdre des points de vie en ville, j'adore. Je suis de ceux qui laissent les destins le guider. Ouais, ouais, vas-y, faites tourner un truc, accepte, vas-y. Ah, et là, j'ai sacrifié... Ah, et donc j'ai grave sacrifié ma corruption de ouf, en fait, depuis le début. En fait, j'ai fait n'importe quoi. D'accord, bon, bah, c'est grave, je suis corrompu jusqu'à la moelle. Acceptez le résultat, j'ai gagné une boule. Je sais pas ce que c'est une boule de protection. Ça valait pas la peine de sacrifier 10 de bonté, hein. Je... Ouais, donc pour eux, le fait d'être ébloui, c'est que tu ne vois plus les ennemis, en fait. Tout s'explique. D'accord. Oh là là, agressif. L'agression dès le matin. Ah, ils me rendent un petit peu de bonté, quand même. Donc c'est bien des méchants. Pas eux par contre, d'accord, c'est sélectif. Certains ennemis sont utiles, d'autres non. Hein. Voilà. Ah, je peux pas sauter plus haut que la canopée. Puisque la canopée m'empêche, la lumière m'empêche en fait de me sentir bien. Ok. Là, il y a encore une porte, je sais pas quoi. Alors, quand t'es vraiment au cac, il n'y a pas de hitbox. Donc, c'est très bien en vrai. Là, je swag. Bon, là, c'est de la lumière rouge, donc c'est un coup à se faire baiser. Alors, je brûle un peu, mais ça se fait en vrai. Ils font super mal. La jungle. Ok. Les souterrains, d'accord. Pas de double saut. Jamais eu de double saut. Les singes, ça donne du karma, les singes. Ça donne pas de karma. Il me faudrait un espèce de triple saut que je n'ai pas encore. En tout cas, heureusement que j'ai pris le bonus de dégâts auprès du marchand. Ou plutôt que j'ai eu la chance de tomber dessus, parce que sans ça... Ça va, j'ai pris tellement cher. Ouah.
C'est pas grave. Après tout, j'ai activé la poulie, je sais pas quoi. Ok, bon. On va retenter une dernière fois l'opération. S'il vous plaît, hein, tous ceux qui regardent les commentaires à YouTube... Enfin, tous ceux qui regardent la vidéo YouTube qui sont dans les commentaires, ne parlez pas trop mal, s'il vous plaît. On voudrait pas démoraliser les gens. Ils sont ouverts à toutes les suggestions. Suggérez, suggérez. Il faut rester sur la poulie pour vraiment l'activer. Merde. Bon, bah, tant pis. Et bon, on va aller à gauche. D'accord. Ça active les plateformes. Mais le pire, c'est que ça active les plateformes, donc ça attire l'œil, donc tu montes, bien sûr. Voilà. Bon. Je gueule, hein. Ok. Alors, voyons voir. Pour l'instant, il y a des belles décos, tout se passe bien. Alors, pas de double saut quand t'es sous la lumière bleue, ça c'est intéressant. Le fait que ça te ralentisse, c'est peu intéressant, mais le fait que tu puisses pas double sauter, ça c'est cool. Alors j'ignore les dégâts. Ok, d'accord. D'accord. Tuer des trucs te donne du temps. Mais du temps de quoi? Bon, ça c'est la bonne nouvelle au moins. D'accord, bon, bah, je suis mort mais je suis revenu. Attends, je suis où là? Ouais non, ramène-moi. Honnêtement, j'aime pas tes YouTube, mais tes lives sont quali. Mes YouTube sont les mêmes que mes lives. C'est pas grave. Ok. Si tu veux. Ça, c'était smart comme placement de piège. Je me suis fait avoir deux fois même. Ah, mais non, mais oh non, mais c'est pas possible. Voilà. Je suis obligé de courir après ces trucs. J'espère qu'il y a d'autres armes dans le jeu. Quand tu allais vers la cité de Wasset, t'allais dans la bonne direction. Mais putain, dans ce cas-là, fallait bien monter. Parce que là, on m'a raconté des conneries. Secours. Tout va bien. Là, il y aurait accès à droite et ça m'aura ramené au couloir tunnel. Éventuellement, ça vaut la peine de l'explorer, mais tous les ennemis ont repop, bien sûr. Parce que sans ça, ce serait pas la grande aventure, ce serait pas le grand fun. J'en connais un qui s'est laissé inspirer par Portrait en ruine quand même. Hein. Voilà. Il a vu le niveau avec l'égyptienne. Et ça mène à rien. Bon. Considère qu'un joueur avec un très bon niveau peut finir le jeu avec sa bonne fin en 10-15 heures. Ah oui. Bon, au moins vous n'êtes pas parti sur la même logique que Souldier. C'est-à-dire où les ennemis sont des sacs à PV. Et où tout est insupportable, sauf si tu modes le jeu pour faire en sorte que les ennemis aient genre 3 fois moins de points de vie.
Ce qui en fait un vrai Metroidvania agréable. Ce que les développeurs ont immédiatement puni, puisqu'ils ont tout fait pour retirer le mode des discussions Steam de l'époque. C'est-à-dire que voilà, à la seconde où le truc est sorti, les mecs étaient là « Non, mais vous comprenez pas, vous êtes censés en chier !» T'as raison. Chaque mob est censé prendre 14 minutes à vaincre environ. À la rédac, nous on adore. Pauvre singe quand même. Aïe. Ah oui, d'accord. Faire gaffe à la lumière bleue, effectivement. Quand je suis dedans, c'est un danger, je vois. Ça, ils sont un tout chapant qui t'attaque, ce qui rend la chose très chiante. Putain, mais ils balancent des cailloux tellement vite, les... Mais la vache! Oh, mais les colossinges, ils sont tellement énervés! T'as vu comme il patate ? Bien sûr, je crame. Pour un potentiel fun maximal. Allons-y. Alors. Bonjour madame. À ce qui paraît, le puits permet d'accéder au tombeau de Pharaon. J'irais bien contempler sa dépouille, mais j'ai une peur bleue des cafards. Bonjour mon ami, besoin d'un coup de main? Voulez-vous dévorer l'âme de cet homme? Non! Surtout, en fait, tu dévores l'âme de l'homme pour perdre du mat et regagner de la vie. Mais pourquoi voudrais-je regagner de la vie en fait? La jungle d'Api est terrible. Bon après oui, hein, je pense qu'on peut le manger. Hein. Voilà. En vrai. Allez, hein, bon. C'est pas un grouillot qui va manquer. Pourquoi tu ne manges pas Tu ressembles beaucoup au monstre, disait le gars. Oui, oui. C'est une idée qui m'a traversé l'esprit, je vous rassure. Attends, toi, tu proposes quoi, toi, mec, là? Ah non, tu proposes rien du tout, ok. Bonjour, besoin d'un coup de main? Non, ça va. Mais... On se fait attaquer par les Klebs! Mais on se fait attaquer par les gardes! Et je veux pas manger ces mecs! Alors la moitié sont possédés. Quel enfer! On va quand même manger un coup de ce gars. Hein. Voilà, ça fait du bien. On peut même pas esquiver qu'on se baisse! Tous mes gardes paraissent habités par la haine et ne défendent plus le peuple. Qui est responsable d'une telle corruption? Bah, toi, mec! T'as mal fait le taf! Putain, c'est pas vrai! Ok, il est mort. Au secours! Ah bien sûr, il fait jaune. Ah, ils ont un bouclier super saiyan. Bien sûr, je dois attendre que la lumière change parce que sinon je meurs ou je suis aveuglé ou j'y vois que. Dans un élan de gameplay exceptionnel. Oui, c'est un processus.
Oui, cligne des yeux, Jean Pedro, y a pas de problème. Voilà, merci. Enfin, il a décidé de se laisser mourir. Je vais être sincère, je me repère un peu à la map. Voilà, c'est pas parce que je te vois pas que t'es pas là. Ah oui! Ah mais tu peux pas passer dans le dos en fait. Bon après, tant qu'ils sont comme ça, ils servent à rien. Hein. Moi je m'en bats les couilles. Faites bien vos histoires comme vous voulez les mecs. Hein. Non le Klebs, il va trop vite. C'est bon. Alors je suis mort mais ma vie est revenue, je sais pas pourquoi. Je mets ça sur le compte de l'infamie. Je mets ça sur le dos de l'infamie. Ouh, où s'est passé ça? Oh non, c'est Boomer Core ça. Oh non, bien sûr. Ouais, bien sûr, il te vise en plus. D'accord. Barre-toi, Playmobil! Quel enfer! Et bien sûr, plus personne à bouffer ici. Hein. J'étais invisible. Pas mal. Attention, là il y a un... Oh la vache! Il y avait Pedro le gigolo qui rigolait zéro. Il m'a perdu de vue là. C'est bon. Ok, c'est bon ça. Alors, on a gagné plein d'âmes positives. Oh chier, chier. Il attaque au cac aussi. Ok, c'est bon. Moi, je redescendrai de l'autre côté. En vrai, c'est une idée à la con. Quitter. Bonjour, hein, besoin d'un coup de main? Non, je vais pas le manger. Putain. Bon, en vrai, si, BTDR. Et hop. Voilà, mort pour la nation. Alors bleu ça veut dire que c'est fermé sans doute hein. Ouais bleu c'est fermé par une chaîne. Donc ça veut dire que je peux bien m'émoustiller pour Cud. Bien sûr ils repop tous. Sinon le fun s'en trouve réduit. S'éloigner là? Ok, merci. Mais j'ai! Putain. Bien sûr, grosse lumière rouge au centre de l'écran. À la rédac, ici, on adore. C'est vraiment le nouveau Final Fantasy VII. Nomura pleure devant ce jeu. Allons-y. Et bien sûr, c'est pas franchissable. Ah voilà, ça rendez-moi aveugle. Voilà. Ouh là, super. Un gars, un gars.
j'ai vu. Ok. Qu'est-ce que j'ai activé? Rien n'est moins sûr. Alors c'est du bleu. Le bleu ça me baise. Je peux rien en faire. Alors? Ouais, mais le rouge ça me baise encore plus. Donc voilà, maxi baise pour maxi baise. Voilà. Donc j'ai activé un levier. Bon. J'ai aussi activé la colère de Jean-Michmich. On vit des moments incroyables. Ah oui, bien sûr, à la seconde où il va me voir, il va s'énerver. Oh, c'est bon. Putain, on est presque revenu full life, vous y croyez, ça? Vraiment, la puissance des escaliers. Hein. Je croyais que les champs en hauteur étaient censés être avantagés, mais c'était un mythe depuis le début. Ah! Les chaînes sont ouvertes! Nous donnons accès à des lieux incroyables dans la pyramide, tels que peut-être un boss. Osera-t-on l'espérer? C'est quand tu veux. Le bleu, ça ralentit juste et ça empêche le double saut, absolument. Les PNJ jaunes, si t'es à genoux, ils peuvent pas te toucher de mémoire. Bon, moi j'accepte de me faire cramer un peu. Je me suis fait molester. Voilà, du merci. Bonjour. Voilà, bien sûr. Ah! Effectivement, lorsque je suis baissé, ils peuvent pas m'avoir. Ok, les clèves, ça, c'est on peut les bourrer. Il va revenir. Non, c'est bon. J'ai tout pris. On mange ce gars. Ouais, on mange ce gars. On mange ce gars pour perdre des PV que j'ai gagné immédiatement. Ça valait la peine de manger ce gars. On va laisser ce gars tranquille là. Oh, ok. Alors si ça passe en jaune, je peux peut-être tenter une dinguerie. Ou en rouge, hein. Non, j'ai pas pu. Ah. Tant pis, je crame quand même. Ok, j'ai débloqué un autre levier, mais je sais pas quoi. On verra bien. Peut-être le levier qui va vers la droite. Rien n'est moins sûr. Mange ce gars. Il a aucun respect. Et donc ça, c'est ouvert. Queuqué à Steakman. Voilà, et monter dans le tunnel de préscience. En espérant qu'on soit pas paumé. Là, c'est fermé. Donc on n'a pas accès à la pièce au-dessus pour l'instant. Parce qu'on n'a pas encore tout ouvert, je vois. Ok. On peut quand même monter dans le puits de lumière au-dessus. Ah non, on peut pas, on peut plus. Si, on peut. Même sans le double saut, c'est possible. Clebs. Voilà. Ah,
Ok, j'ai ouvert un levier, mais quant à savoir où, alors là... Et si vous pensiez à bien griffer les mains de votre mère? Et si les ennemis étaient affectés par les pièges aussi? Ce serait une idée, ça. Peut-être un peu plus juste. Enfin. Peut-être moyen de... Non, pas moyen de filouter. J'avoue. Oh putain, je suis où? Stel Denmoutef, un des gardes corrompus. Un des gardes corrompus tenait des propos inquiétants. Un des gardes corrompus avait des propos inquiétants et a créé le doute en moi. Je me dois de vérifier ces DA. J'adore. J'adore quand mécaniquement mon gameplay est supprimé. Ah merci. Trop généreux. Ah oui, donc c'est à cause de cette lampe de merde que je peux pas péter. Pas. On a activé un levier, c'est peut-être le levier qui est sur la droite, là, on ne peut qu'espérer. L'abat-jour du mal. Mais oui, bien sûr. L'abat-jour de 7, mon gars. Un point de sauvegarde, à la bonne heure. Sphérié de niveau, j'ai des sphères ou pas? Non, hein. Non, bien sûr. Et si je pensais à bien niquer ma race, surtout. Ok, très bien. Mais en même temps, ça me donne une vibe nostalgique, moi. C'est vraiment les jeux MS-DOS de mon enfance, tu vois. Ça passe pas à cause de la lumière. Ici à la Reda qu'on adore. Alors, c'est un processus. Ah merci. Pas inquiété, hein, je commence à être habitué à être zéro life constamment. Ok, d'accord, ça mène pas par là. Voilà, j'ai révélé la pièce. Le jeu est content. Ouais, bien sûr, je me bouffe. Restons vigilants. Parce que bien évidemment, le bruit des fléchettes indique qu'elles sont là, mais elles sont d'une visibilité, c'est exceptionnel. J'adore. On est en 4480p. Possible d'y voir chi. J'adore. Allons-y. Ici à la rédac, on se régale. Ok, alors. Bon, j'ai activé, il me semble, tous les leviers. Est-ce que... On l'a vu à la CG, et comme on regarde Bob depuis longtemps, on s'est dit que c'était le bon moment pour le remercier et lui donner une version physique du jeu. Bah merci. De rien. Putain.
Attends, question. Donc là, je viens d'activer un levier. Est-ce que c'est dans la pièce d'au-dessus? Si seulement les portes changeaient de couleur, putain. Si on pouvait savoir ce qu'on a ouvert ou pas. Oh là là. Bon. Putain, je prends une flèche invisible. Excellent. Ok. Alors comme l'animation de se lever et de baisser, regardez, prend du temps, on peut pas se déplacer pendant. Ça c'est joli mais c'est un vrai défaut. Symphony of the Night, quand tu te baisses, certes il y a une animation mais la hitbox elle est instantanée. La hitbox elle te respecte en fait. Oui, je te mange. Voilà. Et c'est fermé, mais au secours! C'est la baise. Merci la lumière bleue, le fun! L'éclatade! C'est ma faute, après tout, j'ai pas été patient. En fait, c'est de ma faute, brave Jean. Vous savez pourquoi? J'ai voulu jouer au jeu. J'ai voulu jouer au jeu, en fait. J'aurais pas dû. C'est comme FF7R, en fait. Tu veux jouer au jeu, mais en fait, non. Tu fais pas de dégâts, ça sert à R. Il faut tout faire dans les barres de compétences. Il faut y penser comme un RPG. C'est ma faute, hein. C'est ma faute. Pendant une seconde, j'ai cru, tu vois. J'ai présumé. TikTok m'a bousillé le cerveau. Ah, mais c'est... Vraiment, de les voir bosser en équipe comme ça, c'est exceptionnel. Bon, lui, il a l'air de bonne santé, je le bouffe. Ne me faites pas de mal, je suis qu'un pauvre prisonnier de Chapti. Chapti, le grand prêtre d'Ator. Lui-même, je viens du village de Bahut. Mes compagnons ont tous été emmenés dans la salle du trône et ne sont jamais revenus. Certains gardes disent que Chapti n'a plus rien d'humain et qu'il dévore les âmes. Quelle est cette abomination? Il faut mettre un terme à cette folie. Vous allez l'affronter, mais qui êtes-vous? Vous ne semblez pas humain. Je ne suis qu'une âme en peine arrachée au repos éternel. Si votre destin est de combattre Chapti, nous prierons pour votre victoire. Et je l'ai mangé. J'ai mangé parce que, bon bah y'a un respect, tu vois, à un moment, mec il est vieux, il est là, il a pas pris de douche, bon... À un moment, madame, faut mourir, tu vois. Alors j'ai lu expédition punitive. C'est tout ce que j'ai lu. Voilà. Alors faut pas que je m'illusionne sur le fait que je pourrais bientôt jouer parce que ça va être la lumière bleue bientôt. Donc bientôt c'est comme qui dirait chez Capcom l'arrêt du fun. C'est l'extinction c'est l'extinction des feux à la Villette, tu sais. Qu'est-ce que j'ai? Tu sais l'espoir c'est une erreur. Obtenir un bonus. Est-ce que j'ai une couille magique? Qui vient de potentiellement augmenter mes stats. C'est terrible, il dévore les armes. Mais oui, mais rendez-vous compte. Bon, phase de gameplay incroyable. Sinon, ça va. Ils m'ont cassé les jambes. Ouais, ouais, bon bah regarde. Moi, ils m'ont arraché la peau, ils m'ont tiré le cerveau par le pif. J'en fais pas tout un plat. Et sinon, toi, ça va? Je vis ma meilleure journée! Parfait. Un magnifique double saut qui n'a jamais voulu. Double saut est un peu finicky aussi, hein. Il est un peu... Parfois il veut pas. Voilà. Allez, Pedro Loco. Ok, j'ai donc encore une fois activé un truc dont je ne sais rien! On adore. Allez, Rydak. Le fait qu'il switch directement de l'arme de G à l'arme de CAC pour te toucher quoi que tu fasses, c'est quand même du miel. Hein. En termes de gameplay design, on adore. On adore. Le fait qu'il n'y ait aucune esquive possible. J'adore. Il
faudrait un joueur extrêmement compétent pour terminer le jeu en moins de 15 heures, oui, oui. J'ai tapé, mais comme j'ai tapé, l'animation a été cancel par le fait d'atterrir. Alors lui, avec son bouclier Super Saiyan, il me fatigue. Hein. Regarde ça, j'essaie de chatouiller la couenne, mais... Ok, donc là, j'ai activé encore un portail. Un portail de quoi? Un portail de qui? Qui peut le dire? Qui peut le savoir? Qui peut le déterminer? Nous n'en saurons jamais rien. Oh, la Reda qu'on adore quand la lumière change. Vous aimez beaucoup de choses dans cette rédac. Que veux-tu, hein? Ici à Candolisme Mag. On est impatient de voir la dernière trouvaille. En termes de d'élargissement sexuel. Hein. Surtout anal. Ah. Pas mal. Oh, le dodge. Regarde ça, je les bouffe. Regarde ça, je les moleste. Ça y est. It's clicking for me. Ça clique. Ça clique. Le gameplay est en train de cliquer, brave Jean. Ça y est. Soudainement, il s'est joué. Soudainement, son gameplay devient fluide et harmonieux. Bon, il va mourir, mais... On va manger ce gars, ça va bien se passer. Voilà. Le mec maintient un karma qui est assez... assez pervasif, quand même. Ouais, c'est bon, ça. Non, mais non! Pourquoi t'es fermé? Qu'est-ce que j'ai oublié? À droite! On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. 1h06 déjà de vidéo. Sans parler de la présentation. J'étais tellement heureux quand j'ai ouvert cette boîte. J'étais tellement hypé. Je me disais, Ataraxi, qu'est-ce que c'est ce jeu? Tu vois, il y avait il y avait beaucoup de choses. Le pauvre dev sur le chat. On prend toutes les critiques de manière constructive. Vous êtes très fort. Je fais gueuler dessus comme un chat noir depuis tout à l'heure. On prend ça sur la gueule, c'est un peu métal. Là! C'est le premier donjon. Hein. Ah! Ah! On est dans une cabane un peu plus cossue tout de même. Alors je suis content d'être allé vérifier qu'il y avait bien un truc ici, parce que sinon j'aurais été baisé Maxime House et je l'aurais jamais trouvé. Hein. Eux ils sont un peu gratuits, c'est des points de vie gratuits. Au passage, on apprécie sur la texture la lisibilité du nombre exact de points de vie dont je dispose. 80 en haut à gauche. On apprécie. Putain, c'est lancé. Les mecs ont des lancers herculéens quand même. Oh, c'est bon ça. Ouais, c'est bon ça. Ouais, d'accord. J'ai mis un délai sur le lance. Ouais, d'accord. Le jeu a décidé d'y aller en fait. Le boss de fin de niveau d'ici, c'est deux lanciers ici. Hein. Donc le jeu considère que les lanciers sont plus forts que tout. Le jeu n'a pas tort. Ah. Ok. Bon. Chapti, le taureau fou. Ah. Un boss. Eh ben allons-y. C'est lui là. Donc il y a la mante religieuse. Ou la cigale. Le serpent, et je sais pas ce que c'est le macaque en haut, mais... La proie s'approche elle-même du prédateur. Chapti, sale traître. Ainsi tu m'as tué pour monter sur le trône. Ne vous méprenez pas, Pharaon, je ne vous ai point tué. Daguette, la prêtresse d'Osiris s'en est chargée. Quant à moi, j'ai aidé Hathor à éloigner notre peuple de l'influence de Créatine. Impie, ton âme corrompue errera jamais. Les ambitions d'Apis sont grandes, et Moutef en est témoin. En vrai, un lexique. Toi et ton culte d'hérétique êtes voués au néant. En vrai, un lexique, frère. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah.
Ah oui! Ah oui, le texte à chaque fois, ça c'est vrai, au cas où j'ai oublié, tu vois. Est-ce qu'il y a un temps de respawn derrière? Non, on n'en a aucun. Par contre, on peut bourrer. Croyez-vous que seule créatine peut offrir de la puissance? Contemplez votre destructeur! Ah oui. Ah j'adore. Clairement vous bourrez. D'accord mais c'est inesquivable. PV. Ah ah oui. D'un côté skill issue hein. Mais de l'autre côté, j'aime beaucoup la pluie de feu qui tombe trop vite pour que je puisse l'esquiver. Ce boss est fabuleux. Ce boss est un exemple de game design. On apprécie aussi la caméra qui se met dans toute la pièce et qui me permet de voir l'intégralité de la salle en dessous. Je pensais que c'était essentiel, la salle en dessous. Surtout pour esquiver les boules de feu qui viennent par le dessus. Je trouve le geste salvateur. Oh, mais génial. Alors bien sûr, je peux pas l'attaquer pendant qu'il fait ça parce que ce serait de la triche, tu comprends. Alors faut que je m'éloigne, sinon je vais me faire tuer. Ah oui. Ah c'est sûr qu'après Astral Ascent ça fait mal hein. Allons-y cochonax. On a plein de vie, on a toutes nos chances. Voilà, ça c'est esquivé. Ça on peut rien faire. Ah oui d'accord. Il devient cochonax, le grand Manitou. Je vais tout à gauche hein. C'est possible. D'accord. Dark Souls like, ok. Allez, 70 points de vie s'il m'effleure hein. Bon, moi j'y vais pas. Moi je suis une momie, hein. À un moment on me demande des trucs. Bon, moi je veux bien, tu vois. Je veux bien rendre service. Je veux bien être poli. Mais à un moment c'est pas possible, tu vois. Ah ouais, bon, d'accord. J'ai tenté des choses, hein. J'ai tenté des choses. On peut pas me le reprocher, ça. Voilà. Bon. Sachant que les buffs ne reviennent pas, les buffs de défense ne reviennent pas si on meurt, on va essayer d'éviter d'en perdre le plus possible. On va prier. Allons-y. Ok, première phase, c'est le perfect. Et voilà. Allez d'accord. Et là il a regagné tous ses prévés. Ah il a trois phases. Ah oui. Mais vous l'avez testé votre jeu? Je me baisse, ça passe. Alors oui, bon, j'esquive ça comment ça tient pas, hein. Ton jeu, il tient pas la route, je suis désolé. Hein. Après, tu vas dire, ouais, mais c'est parce qu'il est à chier, il joue mal. Ouais, mais...
comment dire, ça ressemble à un jeu d'esquive la balle, si tu veux. Ça a l'air, pourquoi pas. Ok. Une fois qu'on l'a appris. Et tu vois, c'est ça pour tout. Une fois que tu l'as appris. Ouais, non, mais t'as bien vu. Non, mais les compétences. Plus... Ouais, mais voilà. Esquive la pluie. Esquive la pluie. Pourquoi la pluie? Allez, j'adore ça, la charge inesquivable. Et surtout, en fait, la charge inesquivable est que t'as pas le temps d'atterrir et t'as pas le temps de te baisser pour esquiver la cavalcade. Ah, on en est à ce niveau-là de gameplay, hein, quoi. Vous avez remarqué, et là sur la vidéo ce sera lisible, je suis désolé, je demande une VAR. Je demande la VAR, je demande la VAR sur la vidéo. Sur la vidéo, vous avez remarqué qu'au moment où il m'a chargé, mon personnage a commencé à se baisser. Si vous regardez la VAR, pixel par pixel, frame par frame, vous voyez que j'ai appuyé sur bas pour esquiver sa cavalcade. Et qu'ensuite mon perso se redresse parce qu'il est dans son animation de mort. Ce qui veut dire que, donc le fait que tu te baisses, qui prend une seconde pour te baisser, mais ça baisse pas ta hitbox, parce que du coup, tu esquives pas toutes les attaques hautes, parce que ta hitbox, elle est tout en haut. T'as littéralement pas le temps de faire le saut pour esquiver les flammes et de baisser juste derrière. Ce qui fait que t'as jamais la vie, t'as jamais le temps, en fait, t'as jamais l'existence nécessaire pour aller taper au cul pour aller taper sur la tête du taureau. Bon, après, le fait qu'il regagne toute sa full life, ça, j'avoue, c'est confort. Triple phase, on adore. C'est lisible, c'est fluide, c'est croustillant. C'était la boîte. Eh ben écoute, Ataraxie, brave Jean. Voilà, je retourne dans mon tombeau. Je retourne dans mon tombeau et je prends 3 minutes pour m'asseoir surtout, parce que c'est important. C'est important si tu veux de mourir, voilà. Sur ce, merci infiniment d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Et à la prochaine, allez zou. Ah non, mais je veux pas. Ah non, machin me refait revenir à la vie. Au secours. Hashtag au secours.